Salut, salut, très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Tout se passe bien pour vous. Voilà, du coup, on fait une petite pause rapidement pour se mettre au calme. Bon, vous avez vu le meuble derrière là? Voilà, on a mis des sortes d'élastiques. D'élastiques, comment on appelle ça? J'ai oublié, des tendeurs. Voilà, on a mis des tendeurs parce que. En Guinée, ça a pris cher, très cher même. Du coup, le meuble, il est un peu cassé. Voilà, il est tombé carrément. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ben, comme vous le savez, on est en Côte d'Ivoire. On a pris bien 2 jours tranquille, quoi. On est arrivé ici hier soir. Et là, on est là, tranquillement, posé. Dans la brousse, je vais vous montrer un peu comment c'est. Franchement, ben, on prend le temps qu'on laisse les choses se faire doucement. On prend une petite pause avant d'arriver du côté d'Abidjan, dans la ville. Donc, on a préféré la brousse. On nous a fait remarquer que, comme quoi, il fallait justement aller. Voir certaines autorités du village pour pouvoir, sait-on jamais, déjà raconter notre histoire dans un premier temps, dire que comme quoi, ce qui est réel, je ne sais pas si vous êtes réellement au courant, d'ailleurs je vais vous informer. Donc venant de la Caraïbe, faut savoir que nos ancêtres viennent d'Afrique. Et ça, c'est bien de le mentionner aux autorités pour qu'ils puissent comprendre que c'est un retour qui se fait. C'est pas juste du tourisme, simplement du tourisme. Et du coup, donc, ce retour vers l'Afrique permet aux personnes de voir qu'il y a des personnes de l'autre côté de l'Atlantique qui souhaitent revenir. Du côté de l'Afrique. Et donc nous, c'est notre projet, c'est un peu ce que je mets en avant. Je fais le financement participatif d'ailleurs par rapport à tout ça et pour pouvoir s'installer ici. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que j'ai 14 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai pas mal plus, je dirais pas mon âge. Les insectes qui volent partout, on est dans la brousse. Voilà. Donc, je vous mets le lien du financement participatif si vous voulez nous aider, faire un petit don. Il y a le lien de paiement directement sous cette vidéo. Et aussi, je vais en profiter pour vous montrer là où est-ce qu'on est. Un lieu qui est très paisible d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas trop loin de la route, mais quand même c'est assez calme. Et c'est un bon lieu comme celui-ci, qui est bien vert, qui nous permettra justement de renouer, et surtout renouer avec la terre. Ce qui est important, ça nous évite aussi d'aller acheter des légumes à longueur de temps, parce qu'on aime ça les légumes. Mais là, voilà, il y a la possibilité de planter. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà où est-ce qu'on est posté. Voilà, c'est la verdure, ultra verdure, quoi. On peut voir déjà un tronc d'arbre qui est à terre et voir que ça pousse pas mal par-dessus. Donc, je vous renvoie à la vidéo. Qui est lié à la permaculture. C'est juste en haut à droite. Et voici le reste du lieu où est-ce que on est posté. Donc derrière tout ça, il y a une route. Bon, malgré ça, qui a l'air assez bruyante en journée, mais le soir, c'est très 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 calme. Et là, on voit encore un autre tronc d'arbre d'ailleurs. Qui est tombé et on voit que la végétation repousse bien dessus.
Donc ici, on est toujours. Alors la ville ici, c'est Lola. On est près de Lola, en Côte d'Ivoire. Hop là, je mets mes petites chaussures. Et je vous montre comment c'est de l'autre côté. Voilà, il y a un petit chemin ici. Donc en journée, il y a des personnes qui viennent du village qui est par là-bas. Voilà, le fourgon est là, avec le tapis qui est en train de sécher d'ailleurs. Voilà, on est là posté tranquille, quoi. De ce côté-là, par là, il y a la route. Donc voilà, on est vraiment au bord d'un tout petit chemin. C'est juste magnifique. Et on voit un petit peu donc la verdure partout. Il y a des insectes. Là, on voit un peu une termitière au pied de l'arbre. Voilà, un terrain comme celui-ci, c'est super parfait, quoi. Mais donc, voilà, dans la zone où est-ce qu'on est, il n'y a pas forcément de rivière juste à côté, mais à quelques kilomètres de là, 1 ou 2 kilomètres, il y a des rivières par là-bas. Donc, voilà, ce serait le top s'il y avait une rivière qui passait là, et puis surtout si ce terrain là nous appartenait. Donc j'ai parlé du fait que d'aller voir les autorités, ça a son importance, parce que en racontant notre histoire, on peut avoir aussi cette opportunité qu'on nous délivre un terrain, parce qu'il y a beaucoup de terrains inoccupés. Et voilà, il y a toujours cette possibilité là. Donc en tout cas, si vous faites ce cheminement qu'on fait là en ce moment, n'hésitez pas à aller voir les autorités. Là aujourd'hui, on ne l'a pas fait parce qu'on était très fatigué quand on nous l'a dit hier, et du coup on a préféré aller se reposer le plus rapidement possible au lieu de chercher le village adéquat pour pouvoir stationner et aller voir les autorités. Donc demain, on va reprendre la route. On a déjà beaucoup de choses programmées sur Abidjan. Donc je sais pas si on aura le temps de passer voir les chefs du village et autres. Sachant que c'est pas forcément en Côte d'Ivoire qu'on veut se stopper. Mais pourquoi pas, hein? Avoir des terrains un peu partout, ce serait bien aussi, pourquoi pas. Donc au niveau de la mécanique, ça va. Ça va. On peut changer la courroie. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Hop, changer la courroie qui était abîmée et remis tout ce qu'il fallait. Alors là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. En tout cas, voilà, il y a tout qui est là. Et il n'y a pas le cache d'ailleurs. C'est un peu dommage. Parce que le cache, oui, je l'ai perdu dans toute cette aventure. Je vous remets la vidéo où est-ce qu'on était 2 jours arrêtés en Guinée. Et où est-ce que j'ai perdu ce cache d'ailleurs, puisqu'il était vraiment bousillé. Et du coup, faudra remettre un autre cache plus tard. Mais bon, ici, c'est bien goudronné. Franchement, la Côte d'Ivoire, goudron, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est un petit chemin, donc c'est un peu normal qu'il n'y a pas de goudron. Mais sinon, on trouve du goudron partout. Et ça, c'est beaucoup plus préférable que la Guinée. En tout cas, comme vous le savez déjà, il y a juste à appuyer sur la cloche de notification, surtout s'abonner pour pouvoir le faire. Et en appuyant sur la cloche de notification, vous allez pouvoir avoir les prochaines vidéos, une petite alerte des prochaines vidéos qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner
Si en plus de ça, vous ne pouvez pas faire de dons sur le financement participatif, vous pouvez toutefois vous abonner et ça nous permet aussi d'avoir votre soutien, de savoir que voilà, on ne fait pas cette aventure dans le vide et qu'on fait des vidéos appropriées, surtout parfois à la demande des internautes, des abonnés. Donc n'hésitez pas si vous avez Instagram ou même Facebook. La page Purple Road Life vous attend là-bas et posez-nous vos questions. On tâchera d'y répondre ou sinon en bas de cette vidéo. Donc je vous dis à très vite. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao.